What's up, mes gens? What's up? On vient encore pour une story time. Je me vois pas. Ok. Là, il y a mon ordinateur, je suis en train de bosser. Là, il y a ma chambre, je suis sur un tabouret. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time. Et comme vous l'avez lu en bas, mon père m'a coursé. En fait, non. Avant que je parle, abonnez-vous, likez et partagez. Je vous laisse 5 minutes. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Voilà. Et mes lunettes sont arrivées. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous trouvez à dire de mes lunettes? C'est la première paire. J'ai une deuxième paire qui va pas tarder. C'est juste des photos grées. Pourquoi? Pour les écrans. Parce que je travaille beaucoup avec les écrans et que j'ai un œil qui est un peu fatigué. Un peu beaucoup même. Un peu très fatigué. Je suis obligée de faire ça pour faire attention à mes yeux. So, let's go pour la story time. Je pense que vous avez liké, partagé, etc. Donc, on va aller direct sur la story time. You know, we go to the story time. La fois où mon père m'a coursé dans le salon, où j'ai fait deux fois le tour dans le salon. Ok, petite blague, petit retour en arrière. Alors, je l'ai dit souvent sur cette chaîne, je n'étais pas une lumière à l'école, c'est-à-dire que je n'étais pas parmi les premières. J'étais loin derrière. En fait, c'est à partir de la seconde que j'ai commencé à être un élève moyen. Faut assumer, hein. Ouais, et à la fac, j'étais un bon élève. Voilà comment ça s'est passé. Donc, pour l'élève, bon, j'étais un bon élève. J'ai des story time aussi pour la fac. Là, il va voir. So, on n'est pas là pour la fac, là. On parle, j'étais en quatrième, je crois. Oui, j'étais en quatrième. En quatrième, j'étais déjà à l'origine, je pense que c'est en neuvième que j'ai raté une classe, neuvième ou dixième, je ne sais plus, j'ai raté une classe. Donc, je me suis retrouvée, comme vous le savez, mon frère et moi, on a 1 an et 3 mois de différence. Donc, je me suis retrouvée dans la même, au même niveau que mon frère, mon petit frère. Et les gars, j'ai envie de dire que il y a beaucoup de gens qui stressent quand ils redoublent une classe en disant que ouais, je vais tomber sur les petits frères et tout ça, là, machin et tout. Moi, j'en avais rien à foutre. Maintenant, je le dis, mais j'étais tellement boro-boro que je n'en avais rien à balancer. Clearly. C'est en quatrième où je me suis retrouvée à devoir reprendre ma classe et donc mon petit frère allait avoir une classe de plus que moi. Et c'est là que, sérieux, c'est en quatrième que mes feelings ont commencé à sortir, à ce que je me dise, ouais, voilà quoi. Et à cette époque-là, il y avait des écoles qui étaient un peu plus à la mode que les maristes. Bon, un peu plus à la mode, je raconte n'importe quoi, qui étaient... Genre, on entendait parler à gauche, à droite de ces écoles-là et tout ça. En l'occurrence, il y avait Mashallah et Yarasoulen, qui étaient deux écoles dont on parlait. Gardez bien cette information parce que ça fait partie de ce... yes! Anyway, donc, quand les résultats sont sortis et tout, on nous a dit, Agnès, ben, tu vas reprendre ta classe parce que tu n'as pas le niveau, quoi. Tu n'es pas au niveau. Et je devais reprendre ma quatrième et mon frère devait passer en troisième. So, you know, the girl was like, fuck me twice. Oh, oh, avec mon petit frère. Donc, j'ai commencé à me dire non, ça va être trop la honte. Maintenant, tout le monde sait que c'est ton petit frère. Et là, il va passer, toi, tu passes pas. Parce que lui, c'est un crack. Hein. Lui et ma petite soeur, c'est des cracks. Bon, je reprends. Lui et ma petite sœur sont des cracks à l'école. Moi, je suis dans un crack dans un autre domaine. Non. Je disais à ma mère, non, ça va être une autre story time. Non, ça peut être qu'une autre story time. Bon, anyway. Donc, the fuck, je suis en train de parler. Donc,
la quatrième, donc on me dit que je dois reprendre ma classe et tout. L'été arrive, voilà, régulo. Puis, un mois, je crois, un mois et demi avant la reprise, je fais à mon père, déjà j'ai dit à ma mère, je retourne plus au Marist, qui est une superbe école, hein. Bon, qui était une superbe école à l'époque, maintenant j'y suis plus, donc j'en sais rien. Et ma mère n'y est plus, donc j'en sais rien. Parce que oui, elle travaillait là-bas. Je dis à ma mère que comme quoi, non, je ne veux pas rester au Marist. J'ai entendu parler de Yara Soudan et de Machallah. Je veux aller là-bas. Ouais, je préfère aller là-bas. Je n'ai pas envie de rester au Marist. Ouais, je ne veux pas redoubler, machin. J'ai joué ma teug. Ma mère, elle t'écoute toujours. Hein. Quand elle sait que mon père va réagir, elle t'écoute. Elle dit rien du tout. Donc, elle était en mode, tu vois, silence. Elle était juste là, assise là, en train de me regarder et de me dire, ah bon? Ma mère. C'est une thug. Donc, elle m'a fait, ah bon? Ok, d'accord. Ouais. Oula, j'ai un tic qui commence à sortir, c'est de toucher mes lunettes. Oh, we don't do that. We don't do that. Agnès, concentration. Donc, elle me fait, ah bon, ok, ben faudra parler à ton père, quoi. So, the girl, je crois que c'est le jour même de la rentrée ou la nuit avant la rentrée. Je me tourne, je regarde mon père, je lui dis, et je veux pas aller à l'école. Demain, je ne vais pas au Marist parce que je ne veux pas continuer mes études au Marist. Je veux aller dans une autre école. Je veux aller à Machallah ou Yara Soudan. Mon père m'a dit, pardon. Je lui ai dit, non, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas être dans une classe en dessous de celle de Bouba. Là-bas, les gens savent que c'est mon petit frère, machin et tout. Je n'ai pas envie d'aller là-bas et tout. Pas que je me comparais à mon petit frère, hein, mais c'était surtout les blablas que j'entendais, qui faisaient, bon, les blablas bêtes et débiles d'autres personnes que j'entendais qui faisaient que je croyais que c'était grave ou que c'était ridicule ou un truc comme ça. Chacun a ses problèmes, chacun a sa façon d'évoluer. La façon d'évoluer de chacun est différente de la façon d'évoluer des autres. Il y a des gens qui vont plus lentement que d'autres. Il y en a d'autres qui vont plus vite que d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. That's life. Et tu fais avec ce que Dieu t'a donné. So, il n'y a pas de comparaison. Je ne suis pas jalouse de mon frère. Je lui souhaite le meilleur. J'ai jamais été jalouse de lui, etc. On nous a toujours pris pour des jumeaux. C'est comme ça. Moi, je suis plus lente. C'est tout. Mais je suis plus créative. Anyway, so, j'ai dit ça, il devait être 20h, un truc comme ça, je lui ai dit ça, il me dit, tu te fous de moi, j'ai dit, non, hein, je veux pas aller là-bas, j'ai pas envie d'y aller, je vais pas y aller, machin, et tout, ce que je vous explique. Si vous avez regardé mes vidéos, vous avez vu le tag que j'ai fait avec ma petite soeur, vous avez vu mon petit frère, il est derrière moi. Il est grand et tout ça. Ben, mon père, c'est pareil. Ils sont grands. Il était costaud. Il a la main rapide. Il me ressemble. Quand il s'énerve, il bégaye. Ouais, c'est un nigger, quoi. Tu vois, c'est un papa africain. C'est un nigger. Le gars, quand je lui ai dit ça une première fois, il m'a fait quoi? Moi, j'aurais dû comprendre parce que quand il m'a dit quoi, il s'est levé. Quand un parent se lève, quand tu lui expliques quelque chose, boy, run. Bon, il s'est levé et genre, il m'a fait, de quoi tu parles? Genre, tu te fous de moi? Et j'ai dit, non, demain, moi, je ne vais pas à l'école. C'était ma première tentative, tu vois, de thuguisme. Guys, mon père a enlevé ses chaussures en mode 2-2. Et moi aussi, j'ai enlevé les miennes et j'ai couru. Que je vous explique la maison. En fait, il y a une porte là qui donne sur dehors et qui donne sur la cuisine. Et
La cuisine donne aussi sur le salon, parce que notre salon, il y a la porte qui donne sur dehors et la porte qui donne sur la cuisine. Il y a une autre porte qui est de ce côté qui donne sur la cuisine et qui donne sur le salon. Donc, tu peux rentrer par cette porte et sortir par la porte qui donne de la cuisine. Les gars, on l'a fait deux fois. La troisième fois, j'ai dit, ok, c'est bon. La troisième fois, j'ai dit, ok, c'est bon. Demain, je vais à l'école. Et j'ai couru et mon père. Il a de grandes jambes, il a de longs membres, il a réussi à me donner deux boys. Deux, là, deux. Purée de patates de pommes de terre. Il a, je lui ai dit, ok, c'est bon. Il n'y a pas de souci, 8 heures, je suis à l'école. 7h45, j'étais devant la maison pour partir. No, my God. J'ai couru ma vie. J'ai tellement couru que même moi, j'étais choquée. De comment je peux courir vite dans ces petites. C'est pas des grandes distances. Hein. C'est comme si la porte là et. Non, vous voyez. C'est comme si c'était cette porte là et le bout du truc. De mon, ma fresque là, ma fameuse fresque. Voilà. C'est comme si vous faisiez cette porte là et cette porte là, mais je l'ai fait deux fois. Paf, paf. Les gars, j'ai jamais aussi couru, autant couru. Mais à une vitesse, même moi, je sais que j'ai battu des records. Clearly, j'ai battu des records. C'était le plus beau sprint dans un espace réduit. Bref, juste pour vous dire qu'il m'a coursé, que c'était, ça a duré 2 secondes, mais j'ai eu l'impression que ça a duré 1 heure, que j'ai eu deux taffes sur la nuque, le dent, parce que mon père, il a des mains comme ça, il a des pieds comme ça, donc c'était assez hectique. So, that's it. Et je suis retournée au Mariste, j'ai continué mes études, j'ai eu mon BFM, j'ai eu mon bac au Mariste et j'aimerais dire à une maîtresse qui m'avait dit à l'époque, tu penses pas que ce serait mieux d'aller faire couture ou des trucs comme ça, coiffure, machin? Bitch! Bac plus 3. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez d'autres story time dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai des vidéos story time. Sérieux, je vous dis, c'est ma mère qui m'a rappelé hier cette story time et c'est pour ça que j'ai décidé de la filmer. Parce que sérieux, on s'est marré en se rappelant ça. Ce dont je vous parle, j'étais en quatrième, ça fait plus de 20 ans, un truc comme ça. Non, Agnès, arrête. Ça fait pas plus de 20 ans. Non, ça fait pas plus de 20 ans. J'exagère. Mais bon, ça fait longtemps. Ça fait pas plus de 20 ans? Doute. En tout cas, c'était super bien de se le rappeler hier. Et j'ai eu envie de partager avec vous parce que, ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est la vie. Et c'est surtout pour ces filles-là qui ont l'impression, qui sont à l'école et qui ont l'impression que ça n'avance pas, qui galèrent un peu, juste pour vous dire que c'est pas parce que vous galérez sur ce moment-là que ça va continuer toute la vie. Et il y a des gens qui sont extrêmement forts à l'école et qui ne sont pas forts dans d'autres domaines. Découvrez juste le domaine dans lequel vous, vous êtes excellent et développez-le. On a un problème avec l'Afrique, c'est que le système éducatif n'est pas apte pour tout ce qui est créatif, tout ce qui est, comment on va dire, artistique, etc., etc. Parce que j'étais très forte en art, j'étais très forte en musique, j'étais très forte en dessin, j'étais très forte dans ces matières-là, mais c'est pas développé, c'est pas du tout développé. Aujourd'hui, je suis dans la création de contenu, dans la création de logos, plein de choses artistiques qui étaient que je savais depuis longtemps, mais que je n'avais pas compris. Et sérieux, on a un problème entre guillemets, c'est le système éducatif est très carré.
Et ça a tendance à bloquer beaucoup de gens. C'est juste pour dire à ces filles-là ou à ces jeunes hommes que c'est pas parce que vous avancez lentement que vous n'êtes pas en train d'avancer. Et votre, comment on va dire ça? Il y a des gens qui sont faits pour l'école, il y a des gens qui sont faits pour la créa, il y a des gens qui sont faits pour s'occuper de leur famille, il y a des gens qui sont... Comment je peux dire ça? Il y a l'épanouissement d'une personne ne dépend pas de son niveau scolaire ou de son évolution scolaire. Voilà. Bref, c'est ça en fait. C'est juste ça. Parce que sérieux, j'ai galéré à l'école, mais aujourd'hui, je suis contente de la voie que j'ai prise. Tardivement, malheureusement, mais je suis trop contente de la voie que j'ai prise. Et aujourd'hui, je peux évoluer et partager ça avec vous ici. Bon, voilà, cette story time est assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler un tout petit peu autour de vous. Et je reprends. Si vous n'avez pas vu mon vlog, j'ai lancé un coup de gueule parce qu'on m'a fait des histoires en disant pourquoi tu dis ça. On est sur la voie des 5000 abonnés. Likez, partagez, parlez-en autour de vous parce qu'on veut arriver à ces 5000 abonnés avant juillet. Yeah! Et si t'es pas content de ma belle, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va.